pour que Jodia et pour ma parole là, ces dernières discussions qu'on a fait, ces dernières touches qu'on a fait, honnêtement, pour nous sortir, pour nous séer ensemble, pour nous sortir et pour nous dire clair avec Peppa ici, pas de problème pour remplacer Jovenel encore. Parce que depuis que vous prenez, nous avons entendu souvent des gens. La question du choix du président de la République, nous entendons cette question, ça, c'est clair. Question choix, premier ministre, nous entendons cette question, ça, c'est clair pour tout le monde, nous tombons d'accord. C'est depuis ça, c'est le plus gros problème pour nous. Notre gouvernement, c'est clair pour nous, les commissions, tout le bagage est fini. Ça qui va être pour moi, c'est job pour nous. C'est job peuple haïtien. Job citoyen pour vivre face à Jovenel, document de sortie de prison. Merci. Peuple haïtien, je viens choisi de parler de document unique qui a sorti dans quelques heures encore, parce que moi-même personnellement, qui fait partie de monde qui te travaille pour que le document ça soit opérationnel. Dans l'expérience que nous faisons avec un peu de groupe que le peuple haïtien t'attend pour te mettre ensemble pour que tu produis une seule proposition, dans l'expérience que nous faisons avec le comité suivi, déclaration de Daoud, dans l'expérience nous fait avec DIPAD, dans l'expérience nous fait avec Conduit, dans l'expérience nous fait avec Opération Tête Ensemble, dans l'expérience nous fait avec FND, dans l'expérience nous fait avec Kadoa, dans l'expérience nous fait avec nos pads et Latrier. Ça montre nous clairement comment il était difficile pour que esclaves, surtout marins, brossales, créoles, arrivent à mettre ensemble. Il n'est pas facile du tout parce que chaque monde veut traîner une question à Bopayo. En plus de discussion, en plus de jour, en plus de semaine, en plus de l'an passé, mais nous arrivons hier jusqu'à 8h du soir. Nous joignons accord. Jean, c'est la tenue de Dillon. Nous joignons entente pour que nous joignions toute formule avec une commission qu'après le CNT qui pourra les choisir président, qui pour choisir premier ministre et qui pour remplacer Jovenel Moïse. Nous n'avons pas que nous comprenons à partir de toute expérience. Si le peuple haïtien, malgré divergence d'opinion, malgré divergence idéologique, nous arrivons à mettre tête ensemble sur un seul texte pour sortir de la crise et bien peuple haïtien, victoire l'impossible. Travail là, il en est nous. Si esclaves qui ne peuvent pas en pile là-dedans, qui ne peuvent pas parler la même langue, qui arrivent à former créole comme outil pour sortir de l'esclavage, et bien nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons un outil de mobilisation qui est document unique pour nous continuer la bataille. À partir de demain, nous parlons pour la rue avec document ça. Premier, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Même Jean-Pierre Israël qui fait sept coups de Jéricho pour nous aller t'écraser. Nous parlons camper pendant un jusqu'à sept. Pour que Jovenel tombe, merci. Aujourd'hui, on a parlé dans le nom secteur syndical haïtien, qui est un secteur qui est force vive, pays, travailleurs, ouvriers, paysans, enseignants, transporteurs et monde quartier populaire. Aujourd'hui, on a fait appel de grève nationale, des journées de grève nationale. Que collectif des syndicats pour le respect de la Constitution de 1987 amendée lancée dans l'objectif
c'est respect constitution, n'a demandé avec contre insécurité généralisée qui baille sur tout le pays, et puis contre kidnapping qui tourne un pichon pour peuple haïtien. Je dis à nous-mêmes, à travers le secteur syndical là, à travers le collectif là, pas de aucun secteur qui est épargné en bas à kidnapping qui a fait dans le pays. Je dis à chauffeur, secteur syndical là, nous victimes de kidnapping. Secteur ouvrier, victimes de kidnapping. Paysans, victimes de kidnapping. Nous gagnons enseignants à travers le directeur de l'école. Lève l'école, yo victime de kidnapping. Ça veut dire c'est nous tous qui mêlés avec question kidnapping là. Nous fait appel à la mobilisation avec peuple Grenoble, quel que soit côté où il est. Nous t'avons mis autant de messages clair. Nous demandons le 1er avec 2 février 2021 pour nous chita la caille nous, dans objectif pour nous capables de porter coller. Dans l'objectif pour nous demander de respect à la Constitution avec contre kidnapping. Et nous voulons lancer un message clair. Le 1er avec 2 février 2021, nous avons qui mettent pied dans la rue. Ça veut dire accepter avec kidnapping. Ou accepter les kidnapper élèves l'école. Ou accepter les kidnapper professeurs l'école. Ou accepter les kidnapper machines bis qui sont dans le nord ou bien dans le sud. Avec tout le monde là-dedans, ou accepter les régimes criminels PHTK après répression d'État sous militants. Je dis à respect constitution, il y a avec respect droit nous, dans l'article 28, 29, 30, constitution, qui va nous tout droit, même si 10 personnes capables de réunir en bas de pied bois, la police est pour devoir sécuriser nous. Je vous dis, pouvoir, régime criminel là, yo passé constitution pays en bas pied, yo foué en bas pied yo. Et c'est peut-être ça, nous même à travers collectif des syndicats haïtiens, constitution haïtienne là, n'a demandé avec tout peuple haïtien, peuple nord, peuple sud, quel que soit côté, porter coller. Et nous demandons avec secteur de l'opposition, secteur politique, qui sous table là ensemble avec nous. Vin pote kole nan te jounen grève ça. Grève ça, c'est pas grève syndicat, mais c'est grève peuple haïtien. C'est grève tout secteur. Parce que c'est pour respect droit nous. Parce que c'est contre kidnapping. C'est contre insécurité. Insécurité, nous connaissons nos problèmes psychologiques. Nous fait nous malades. Nous fait nous la sortie, nous paniquer. Nous demandons nous, vin pote kole, pressé, les premiers avec des si toutefois ça nous demande pas accompli, yo pas respecté, grève là la illimité pour jusqu'à ce que nous joignent bout régime PHTK. On fait encore, Jean-Pierre Zanin déjà, nous saluer la mémoire du professeur Barbier, le départ prématuré d'un démocrate convaincu. Barbier, c'est dirigeant, c'est même fondateur secteur démocratique là. Août 2017, avec professeur Barbier, avec Axel Joseph, moi rédigé le document de base qui a fondé le secteur démocratique et populaire à la Caïa. Son gros coup pour le pays, son gros coup pour le secteur démocratique là, son gros coup pour la famille Liliane Pierre-Paul, son gros coup et pour le peuple haïtien en général. Mais, le mauvais matin, nous sommes dubitatifs. Nous te dit est-ce qu'il faut nous faire conférence de presse quand même, ou bien est-ce qu'il faut nous pas faire. Mais nous finissons faire consultation, nous dit attention, guidé par l'esprit de combativité et de ténacité du professeur Barbier, nous obligés, nous pas gagner le choix de continuer la bataille là. Et ça fait toute activité politique opposition à gagner. N'importe où prince tant pour la province, nous quimbeyons, nous ne pas retirer un rien à calendrier. Nous avons une conférence de presse matin à fait. Après-midi, à gagner pour position de sortie de crise consensuelle qui supposait signer et présenter à la presse. Demain, tout bagaille supposé passer bien dans tout pays comme journée de mobilisation, nous quimbeyons activité.
Rapidement, nous capables de dire que et depuis 15 janvier, le comité mobilisation citoyenne pour respect constitution, hein, lui reprend avec énergie, avec force, la grande mobilisation populaire pour le respect de la constitution, qui dit très clairement que 7 février 2021, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Dans ce sens-là, 15 janvier, nous réalisons une excellente journée de mobilisation nationale. 20 janvier, c'était extraordinaire. 21 janvier à Miragouane, c'était extraordinaire. Tellement de monde pouvoir obliger à arrêter une vingtaine de militants qui sont ensemble avec nous, obligés à arrêter le sénateur Kassi. Ils ont paniqué. Et 29 janvier, c'était hier, vous êtes capable de constater que ce soit dans le Nord, l'Imbé, Léogane, Tigouave, Grand-Gouave, au Caï, c'était une journée de mobilisation populaire à succès. Dans la ville de Caï, la troisième ville du pays, la population descend dans la rue massivement pour exiger le respect de la Constitution, pour exiger une transition de rupture. Une transition de rupture, c'est une transition qui vient conférence nationale là-dedans, c'est une transition qui vient procès de Gros-Caribé, c'est une transition qui vient procès tout massacre qui fait sur le peuple là, la Saline, Belay, Cité Soleil, Cafoufeuille, Pont-Rouge. Parce que transition ça, il faut satisfaire les revendications fondamentales du peuple là. Et plus vos revendications du peuple là, c'est craser le système pesé sous ses qui s'imaginait dans tout le pays, a, c'est construit une nouvelle société haïtienne avec participation de tout le pays. Procès Grégory Saint-Hilaire, procès Bâtonnier d'Orval, tout procès a été fait pendant la transition. Demain, dimanche, 31 janvier 2021, demain dimanche, 31 janvier 2021, c'est une journée de mobilisation nationale. Le peuple a pral descendre dans la rue massivement. Massivement. Dans Port-au-Prince, dans la reste ville provinciale, dans tout département géographique pays, pour dire, vous voulez en transition de rupture. Pour dire, fort, article 134-2 constitution respecté. Et demain, le peuple va pas vite dans la rue. Parce que d'ici après-midi, proposition finale consensuelle de sortie de crise là, la présenter par les nations. C'est déjà un pas important, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et dans Port-au-Prince, nous tous connaissons direction nous, Jean-Mas, l'Assemblée Cafroy-au-Port, Monté-Delma, Pétionville, Descend-Boudon et descendre devant Palais National pour nous faire revendication. Passer. Jovenel Moïse doit respecter l'article 134-2 de la Constitution. Il faut gagner un gouvernement de transition qui prend Mayette là le plus vite possible, au plus tard, le 7 février 2021. Et moi, remercier un série de groupes Petro Challenger, notamment nous conscients, qui, eux-mêmes, ont dit, même si la police crasée, toute mobilisation nous fait dans Port-au-Prince, mais nous conscients, qui sont groupes Petro Challenger, qui nomme comité mobilisation citoyenne pour respect constitution, eux-mêmes, depuis 28 janvier 2021, ont écrit la police pour dire la police a fait manifestation à côté de Pétionville, et moi espérer cette fois-ci, la police a pris responsabilité. L'autre disposition nous prend, nous déjà écrit en pile nom. Nous écrit Nancy Pelosi, qui c'est congressman, et président congrès a écrit Michelle Bachelet, qui est responsable droits humains des Nations Unies, ancien présidente du Chili. Nous écrit POHDH, nous écrit RNDDH, nous écrit Justice et Paix, nous écrit Religion pour la Paix, nous écrit le Parlement européen, nous écrit NEO, que José Renault a dirigé, et on va nous garantir à partir de demain. Après tout l'observateur qui a déjà présent, n'importe où prince, tant qu'on reste ville provinciaux, poursuivre déroulement, dernière phase, mobilisation citoyenne pour respect constitution. Nous écrit tout comme ça, et qu'il y a des observateurs,
qui est en prend avion qui rentre en Haïti, il y a un cap continue à rentrer demain, il y a un cap venu lundi, il y a des journalistes étrangers qui rentrent en Haïti, il y a là-dedans qui affilié avec des réseaux d'observation international. Ça veut dire à partir de demain, population tape dans la rue pour col, population a des observateurs internationaux, haïtiens tant qu'étrangers cap là, cap suivre déroulement dernière phase mobilisation pour respect constitution. Moi espérer l'esprit en cette nuit à pas accompagner nous. Moi espérer l'esprit Anthony Barbier à pas accompagner nous dans dernière phase bataille mobilisation pour respect constitution. Demain mobilisation a démarré grand matin. Pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans tout le pays. Et nous dit 1er février, 2 février, opposition politique là, a supporté, carré-barré, grève, secteur syndical là, lancé dans tout le pays pour faire respecter la Constitution. 1er 2 février, c'est grève, et le peuple a pour être dans la rue, pour partout dans le pays, pour forcer Jovenel Moïse respecter l'article 134-2 de la Constitution, pour forcer la communauté internationale à comprendre la nécessité pour accompagner Haïti pour nous réussir la transition. Bataille là, lancée avec force, et j'en ai dit déjà, mon yo, je dis à la dégager nous. Mes petits manger dans la caille nous. Mes petits blancs la caille nous. Mes petits chabots, parce que la bataille va lancer toute constitution respectée. Merci à vous. Merci à vous.